Eh bien salut tout le monde, c'est Ascension, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un petit vlog en Italie comme je vous l'avais dit dans la vidéo retour. On est actuellement à Naples, donc toute la semaine je serai en Italie, donc à Naples, Rome et Florence. Et aujourd'hui on se retrouve pour la visite des ruines de Pompéi, donc je vais vous faire des petits plans sympathiques en musique. Et après cet après-midi on visitera le Vésuve, donc je vous accompagne dans cette aventure, c'est parti. Donc là du coup on vient de finir le petit vlog à Pompéi, donc c'était très sympathique, hein, une ville pleine de ruines, c'était très beau, il y a des beaux plans, j'espère que vous les avez kiffés. Désolé d'ailleurs hein, si les plans ne sont pas hyper stables, c'est juste que pour le moment, bah, vu que c'est mon premier vlog, c'est pas encore parfait, mais ça va s'améliorer. Du coup là on va prendre un bon déjeuner bien mérité, une bonne pizza ou des bonnes pâtes, on va voir. Et puis après bah, on se retrouve pour la visite du Vésuve, à tout à l'heure. Donc là du coup on vient de terminer donc la visite du Vésuve, c'était super beau, des beaux paysages, des belles roches, etc. Je vous ai pris des belles images du cratère, je vais vraiment miser vraiment sur ces images là parce que c'est quand même quelque chose d'assez beau et d'assez unique. Du coup là on vient de terminer, on va prendre la route donc demain direction Rome, on va faire les catacombes, du coup j'espère que ça va vous plaire, j'espère que les plans vous plaisent et puis voilà on est parti, on se retrouve demain pour les catacombes. A tout à l'heure. Eh bien salut tout le monde, c'est Ascension, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve aux catacombes près de Rome, donc on va faire les visites des souterrains, etc. Donc je vous amène dans cette aventure entre guillemets, je vais essayer de vous prendre quelques plans sympathiques. J'espère quand même que je vais pouvoir filmer parce que c'est pas totalement sûr non plus, parce que c'est apparemment un endroit qui est assez restreint au niveau des photos et des vidéos, donc on verra ça. A tout à l'heure. Donc du coup on vient de sortir de la visite des catacombes. Alors effectivement il n'y avait pas le droit du tout de prendre de vidéos ni de photos. Et en fait bon vous l'avez vu quand même, j'ai quand même pris des plans. Je me suis un peu arrangé avec mon père et des membres de ma famille pour essayer de vous prendre quand même des plans, parce que je me dis que c'est quand même pas sympa pour mes abonnés. Donc comme dirait un youtubeur très connu, donc je vais pas dire le nom, j'ai quand même pris des risques pour vous. Mais voilà, donc j'ai essayé de prendre des plans sympas, ils sont pas parfaits évidemment, parce que bah, déjà il fait sombre et puis en plus bah voilà, vous avez vu quand même, c'était assez restreint, il y avait beaucoup de groupes derrière nous, il y avait des groupes, enfin il y avait un groupe en gros espagnol, anglais, français, etc. Du coup c'était un peu compliqué, mais voilà, j'ai quand même réussi à prendre des plans et du coup voilà, ils sont pas parfaits, mais au moins c'est des plans et ils sont assez uniques, parce qu'il n'y en a pas beaucoup je pense qui ont pris des risques pour ça, pour prendre ce genre de plan. Donc écoutez, c'est tant mieux. Là on va prendre la route de Rome, on va continuer, donc on va faire le Colisée, la fontaine de Trevi et la Piazza pardon, Venezia. Et après demain eh bien on reprend la route pour Florence. À tout à l'heure. Eh bien salut tout le monde, donc on est aujourd'hui devant le Colisée, donc on va aller visiter tout ça. Je vais prendre des plans un peu sympas, donc de l'intérieur du Colisée, pas trop extérieur parce que c'est pas hyper intéressant. Et puis bah on se retrouve, je vous laisse découvrir pardon, les belles images que j'ai prises. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour mes retours sur ça. À tout à l'heure.
Donc voilà, donc on vient de sortir du Colisée, c'était super beau, des belles images, des belles roches, tout ça, tout ça. L'intérieur était vraiment beau, on sent vraiment l'érosion et tout ça, donc les retours par rapport à l'histoire, c'était vraiment très sympa. Là, on va prendre la route pour le déjeuner, je vais prendre des plans de la fontaine de Trevi et la Piazza di Venezia. Et puis voilà, on se retrouve pour la suite. A tout à l'heure. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. J'essaie de vous proposer le vlog le mieux fait possible, donc j'essaie de prendre les meilleurs plans. J'ai fait quand même pas mal de montage et de coupures. Du coup, j'essaie de vous prendre des plans sympas. Donc, vous avez vu, vous avez pu le voir, je pense que ma caméra est d'une extrêmement bonne qualité. Vous avez pu voir dans la vidéo setup. Du coup, voilà, c'était un premier vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires des conseils pour des astuces pour mieux filmer, du matériel à acquérir ou quoi. Ça peut être vraiment sympathique et pour améliorer la qualité des vlogs. Donc je vais aller très prochainement vous tourner un vlog urbex qui va être assez sympathique avec des potes. Donc du coup ça devrait intervenir assez rapidement sur la chaîne. J'essaie de vous filmer ça d'une manière un peu plus différente parce que j'avais mon trépied avec moi. Mais du coup j'essaie de vous prendre les meilleurs plans possibles. Mais c'était pas toujours très simple parce que vous le savez j'imagine. Que donc tout ce qui est ruines antiques, etc. Il y a quand même pas mal de roches. Donc du coup prendre j'avais pas les gorilles là-bas donc j'en ai acquis un il y a très peu de temps. Et du coup, je ne peux pas vous faire des plans très très stables, mais du coup, j'essaie de faire du mieux que j'ai pu. Du coup, si elle vous a plu la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour plus de vlogs urbex, plus de vlogs tout court, ou évidemment beaucoup plus de League of Legends. Et puis voilà, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, dire ce que vous avez pensé du vlog. Allez, sur ce, on se dit à la prochaine, passez une bonne journée, bonne soirée. Ciao tout le monde!